Salut, c'est Nozman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, connu depuis longtemps, mais qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années, le protoxyde d'azote. Aussi surnommé proto, ou gaz hilarant, mais surtout ballon, à cause de la manière dont il est consommé. Hop là, à peu près comme ça, tu vois. Au final, c'est surtout un produit ultra vicieux et qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Et avant de rentrer un petit peu plus dans le sujet, aujourd'hui, cette vidéo est réalisée en collaboration avec NordVPN. Alors, si t'es pas au courant, un VPN, c'est un réseau privé virtuel. C'est donc un service qui va protéger ta connexion en ligne, mais aussi ton identité, notamment en masquant ton adresse IP. On entend souvent parler du fait que se connecter à un réseau Wi-Fi public, ça peut être dangereux. Et bah justement, avec NordVPN, tu te connectes à un réseau et tu peux accéder à ces réseaux Wi-Fi en toute sécurité. T'as évidemment différents types d'abonnements en fonction de ce qui t'intéresse et de ce dont tu as le plus besoin avec ce service. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les abonnements, en plus du chiffrement des données, t'as la possibilité de contourner les géorestrictions sur certains programmes, comme des compétitions de sport, par exemple avec la F1 en Belgique, voilà. Tu peux aussi bénéficier d'abonnements moins chers, genre sur Crunchyroll en te connectant à une adresse IP turque, par exemple. Sur l'abonnement essentiel, t'as une fonctionnalité qui est vraiment pas mal, c'est la détection des vulnérabilités. Ça te permet donc d'avoir des notifs concernant des applications ou des sites à risque, et donc d'éviter potentiellement des problèmes en ligne. Une donnée intéressante également, c'est que dans l'abonnement ultime, eh ben t'as un gestionnaire de mots de passe intégré. Et aujourd'hui, un gestionnaire de mots de passe qui est capable de t'en générer des bien solides, tu vois, c'est vraiment très très important. D'autant que c'est ultra pratique, souvent ça fluidifie la connexion sur tes comptes en remplissant automatiquement ton nom de compte et ton mot de passe. Personnellement, gestionnaire de mot de passe, j'adore. Très pratique aussi, tu peux utiliser ton compte en simultané sur 10 appareils et sur plein de supports différents, tablette, Apple TV, Android TV, etc. Donc je remercie NordVPN de me soutenir dans ce contenu. Vous pouvez retrouver mon lien en description avec ta 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les offres NordVPN de 2 ans. Et surtout, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Ça, c'est dispo dans la description. Merci à tous, on retourne à la vidéo. Alors si vous ne voyez pas de quel produit je parle, bah vous avez peut-être déjà vu des petites cartouches comme ça ou des bonbonnes qui contiennent ce fameux protoxyde d'azote justement. En fait, depuis quelques années, on en voit traîner un petit peu partout, dans les médias, sur les réseaux, même dans la rue, à proximité des lieux de fête, etc. Ça m'arrive par exemple très souvent d'en voir en marchant dans la rue, dans les parcs où il y en a même aussi près des poubelles, dans les caniveaux, etc. Mais le plus grave, c'est qu'on en retrouve aussi pas mal dans les collèges et les lycées. En fait, si on croise ces capsules un peu partout, c'est parce que le protoxyde d'azote est souvent consommé comme une drogue. Une drogue légale du coup, pas chère et avec des effets qui ne durent pas longtemps. C'est un peu aussi tout ça d'ailleurs qui fait croire à sa dangerosité. Et cette popularité, elle fait bien flipper quand on sait que cette drogue peut, sur le long terme, affecter la santé de ceux qui la consomment, évidemment, mais voire même, tout simplement, les tuer. Alors, je vais tout vous expliquer sur le protoxyde d'azote, ce que ça fait, d'où ça vient, et surtout, c'est quoi le protoxyde d'azote, en fait. Le protoxyde d'azote, c'est un composé chimique sous forme de gaz incolore et de formule N2O. Ça veut dire qu'il est fait de 2 atomes d'azote et d'un atome d'oxygène. Et ce gaz, c'est en 1772 que le chimiste anglais Joseph Priestley l'a découvert. Mais c'est seulement 30 ans plus tard qu'on s'est rendu compte de ses propriétés euphorisantes, qu'en gros le truc, ça te défonce. Ouais, parce qu'en fait, à la base, ce gaz, on s'en sert pas pour se péter le crâne, mais plutôt en médecine, comme anesthésique une fois mélangé à de l'oxygène, puis plus tard comme comburant dans l'industrie automobile, aussi connu sous le nom de nitro, mais surtout comme gaz propulseur dans l'industrie agroalimentaire. Notamment dans les bonbonnes de crème chantilly. Le fameux psh, tu vois, quand tu utilises de la chantilly là, c'est grâce au protoxyde d'azote. On en trouve donc dans le commerce, sous forme de cartouches comme ça ou de bonbonnes, et le problème c'est que maintenant ça sert aussi de drogue. Une drogue d'ailleurs qui peut aussi transformer votre cerveau en chantilly d'ailleurs. Mais du coup, belle transition, quels sont les effets de ce truc? Ok, petite mise en situation. Comme le gaz sortant de la cartouche est très froid et peut provoquer des brûlures du coup, et bien le protoxyde d'azote est d'abord transvasé dans un ballon. Ça rend aussi sa consommation plus simple, tu vois. En fait, c'est en aspirant de petites bouffées de ce ballon que le gaz va agir. T'as une sensation de légèreté, t'as des éclats de rire, une impression de planer, mais aussi de flotter. Donc t'as compris que les effets euphorisants du protoxyde d'azote, ils sont bien recherchés et ils sont la cause de son détournement à des usages récréatifs. C'est un fou rire qui peut également être accompagné d'une bonne grosse dose de bonheur, une sensation d'ivresse, une désinhibition, d'une dissociation, voire même carrément d'hallucination. D'après des témoignage, une personne se serait retrouvée nez à nez avec le soleil dans sa chambre. Et pendant d'autres trips, elle est aussi devenue pote avec Alice au Pays des Merveilles. Ça, c'est des témoignages. Donc vous voyez que ça peut aller loin ce truc. Loin, mais pas pour très longtemps par contre. En général, les effets du proto se dissipent totalement en 2 à 3 minutes chrono. C'est super rapide. Par contre, le pic, quant à lui, il ne durerait même pas plus d'une trentaine de secondes seulement. Et du coup, le problème, c'est que comme ça dure pas très longtemps, on se dit que c'est pas super dangereux comme truc. Et ça nous pousse donc souvent à en reprendre, quitte à multiplier les prises. Et c'est là que ce truc est ultra vicieux. Bref, maintenant vous connaissez les effets du protoxyde d'azote, mais que se passe-t-il concrètement dans le cerveau quand on en respire? C'est une bonne question à laquelle finalement il n'est pas si facile de répondre. En fait, faut savoir qu'à ce jour, le mécanisme d'action du protoxyde d'azote, il n'est pas encore ultra bien compris. C'est un peu con, mais bon, on a quand même quelques pistes.
Déjà, comme l'héroïne, la méthamphétamine ou encore la cocaïne dont on a déjà parlé, le protoxyde d'azote, il doit ses effets à une interaction avec diverses voies de neurotransmission, comme celle qui contrôle les niveaux de dopamine par exemple, l'hormone du bonheur. Ouais, encore elle, elle est toujours là elle d'ailleurs. Car comme pour presque toutes les drogues, l'objectif du proto, c'est de parvenir à augmenter le niveau de ce neurotransmetteur, donc la dopamine, l'hormone du bonheur. Elle est particulièrement connue pour être liée à notre sensation de plaisir. C'est notamment pour ça que les personnes qui consomment du protoxyde d'azote n'arrivent pas à s'arrêter de rigoler. Mais c'est un pouvoir euphorisant qui a aussi une action sur les mécanismes du cerveau qui contrôle le stress ou encore la sensation de douleur. Mais tout ça, ça vient forcément avec un paquet d'effets secondaires pas ouf. Dans la liste des risques immédiats lors de la consommation de proto, quelques minutes ou jours après la prise, on peut avoir une sensation de fourmillement et d'engourdissement des membres. Des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, des diarrhées, une baisse de la vigilance ou encore des somnolences. Et concernant la consommation prolongée ou à trop forte concentration du gaz hilarant, eh bien ça peut venir avec un risque immédiat de tomber dans les pommes ou de tomber tout court d'ailleurs, de perdre le réflexe de tout, de se retrouver avec des maux de tête, de la désorientation ou encore de l'asphyxie. Un paquet d'effets secondaires pas ouf du tout, qui peuvent même causer la mort. En fait, tous ces symptômes, dont je n'ai même pas fait la liste entière d'ailleurs, ils s'expliquent en bonne partie parce que le proto fait un truc assez ouf. En fait, il prend la place de l'oxygène dans vos poumons. Alors forcément, au bout d'un moment, quand votre cerveau et plus généralement tout votre organisme est privé aussi souvent d'oxygène, bah ça craint vraiment. Ça craint très très fort même. Sans oublier que la consommation de proto vient aussi avec un risque de brûlure tout simplement. Et ça juste parce que certaines personnes inhalent carrément ce gaz à partir des cartouches directement. Ça, c'est une façon de consommer qui peut cramer le nez, les lèvres, la gorge, les cordes vocales et même les poumons. Car lorsqu'il sort du récipient, et à cause de la baisse de pression, le gaz refroidit ultra rapidement. Et ça jusqu'à atteindre les moins 55 degrés, c'est hyper froid, tu vois. De quoi te geler la tronche bien comme il faut. Bon, heureusement, a priori, ce risque de brûlure semble déjà bien connu des consommateurs de proto. Du coup, il semblerait qu'ils soient nombreux à mettre en place des pratiques de réduction des risques, comme le fait d'utiliser un ballon pour limiter les risques de brûlure, ou encore de consommer assis pour éviter le risque de chute en cas de perte de connaissance, ou bien d'espacer les prises pour prévenir certains effets indésirables, comme les maux de tête, ou encore ne pas conduire immédiatement après la consommation. Bon, ça, c'était pour les risques à court terme, ok? Mais maintenant, on va s'intéresser aux risques à long terme, parce qu'en fait, ils sont vraiment très sérieux et vous allez voir qu'il y a de quoi flipper. Dans les risques à long terme, on trouve quelque chose d'assez flippant qui peut arriver au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière, je vous le dis direct, c'est super pratique comme truc. Puisque c'est la partie du système nerveux chargée de la transmission nerveuse entre le cerveau et le reste du corps. Donc a priori, c'est ultra important, tu vois, surtout quand on veut marcher. C'est malheureusement ce qui est arrivé à un consommateur de proto qui s'est retrouvé avec la moelle épinière abîmée sur toute la longueur, perdant ainsi l'usage de ses jambes. En fait, à force d'en consommer beaucoup et d'en consommer régulièrement, le proto devient beaucoup moins hilarant. Et ça parce qu'il s'en prend au métabolisme de la vitamine B12, une vitamine essentielle au bon fonctionnement des globules rouges notamment, mais aussi de la synthèse ADN et même des nerfs. Ce sabotage, il peut donc entraîner des fourmillements, comme je disais tout à l'heure, mais aussi une perte de sensibilité et de force au niveau des membres, ou encore une incapacité de marcher, tout simplement. Et ces derniers symptômes, ils durent pas juste 5 minutes, tu vois, ou le temps d'une soirée. Non. Là, on parle de problèmes sur le long terme qui durent vraiment très longtemps. Les patients doivent donc passer par l'étape rééducation, en sachant que certains d'entre eux ne récupéreront malheureusement jamais. Et c'est d'autant plus un problème quand on sait que la consommation de proto peut être associée à une véritable dépendance. Et même pire, à un phénomène de tolérance qui va donner envie aux consommateurs d'augmenter la dose. Le truc, c'est une véritable drogue. D'autant que les neuropathies, les maladies des nerfs en gros, bah c'est vraiment loin d'être les seules maladies graves que l'abus de gaz hilarant peut provoquer. Non, en fait, étant donné que la vitamine B12 est essentielle à plein d'autres fonctions du corps, bah sa déficience peut aussi causer une chute de l'hémoglobine chargée de transporter l'oxygène dans le sang par exemple, ou encore la formation de caillots dans les veines ou les artères. Là on parle donc d'anémie ou de thrombose. Les caillots dans le sang, tu veux pas ça, franchement je te le dis. Et sans parler des lésions cérébrales, causées par la sous-oxygénation régulière du cerveau, qui est causée par le remplacement de l'oxygène dans les poumons. C'est pour ça que t'as moins d'oxygène là-dedans. Des lésions cérébrales donc qui peuvent parfois mener à des problèmes cognitifs, comme la difficulté à se concentrer, à se souvenir ou encore à prendre des décisions. Ça fait vraiment mal au corps ce truc, réellement. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, c'est une liste bien longue à laquelle peut encore s'ajouter des troubles psychiatriques. Au final, le gaz hilarant, il porte super mal son nom. Mais tous ces risques à long terme, ils sont malheureusement vachement moins connus des usagers. Ou alors j'imagine qu'on peut se dire que ça n'arrive qu'aux autres, comme toujours, tu vois. Sauf que selon les cas recensés par les centres d'addictovigilance depuis 2019, bah ces fameux autres ont en fait été multipliés par 10. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, tu vois. Mais ce qui fait encore plus flipper, c'est que dans les cas recensés, beaucoup étaient mineurs. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs depuis 2021, la commercialisation de capsules de protoxyde d'azote comme ça est interdite aux mineurs. Alors pendant longtemps c'était open bar, il n'y avait aucune réglementation, mais maintenant c'est interdit à la vente pour les mineurs. Il est d'ailleurs aussi interdit de les inciter à consommer sous peine de prendre de lourdes amendes. Et tout ça n'empêche pas certaines entreprises de vendre des bonbonnes par milliers avec un marketing clairement ciblé pour leurs usages récréatifs, tout en faisant croire que non, nous c'est juste pour faire de la chantilly, t'inquiète. Ça, ce genre de business c'est assez obscur. Je vais pas citer de marque, mais je trouve ça littéralement horrible.
horrible en fait. Ça fait pas mal d'années qu'on voit du coup des influenceurs, des artistes se filmer avec des ballons et poster ça sur Snap, TikTok, etc. Alors que c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère, tu vois. Et j'espère que vous l'aurez compris avec cette vidéo. La consommation de protoxyde d'azote, c'est du sérieux. Ça peut laisser de lourdes séquelles, vraiment. Alors si vous ressentez le besoin de vous faire aider ou de parler à quelqu'un de ça sans jugement, sans pression, etc., vous pouvez contacter le numéro de Drogue Info Service juste ici. C'est un numéro gratuit et anonyme. Au final, la meilleure manière de continuer de vous marrer, bah, c'est peut-être de laisser tomber justement ce fameux gaz hilarant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un sujet pas hyper, mais nécessaire, je pense. Je tiens à remercier Nicolas Donzé, biologiste et toxicologue en Suisse, pour son aide durant l'écriture de cette vidéo. Et je vous rappelle la sortie de ma BD Fractal. On démarre des séances de dédicaces un petit peu partout en France. Il faut s'inscrire pour venir, c'est gratuit. Bref, t'as toutes les dates ici et le lien en description pour t'y inscrire. À toutes, j'espère vous y voir. C'était un thème pas facile, mais je pense que c'était très important de le traiter, parce qu'on entend beaucoup parler du protoxyde d'azote en ce moment. Donc je pense que cette vidéo s'inscrivait parfaitement dans ce format sur les drogues qu'on fait sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut !